samedi matin, j'avais de l'inspiration. Sans vous parler d'amour dans le pantalon. Pendant que j'y suis, me vient une question. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça tourne pas bon? J'aime le journal, y'a un bon, j'aime le film, y'en a deux. Et sur l'internet, tu as pas ce jambeau. Le prix du valium m'est rendu côté à bourse. Mais les leaders ont moins cher dans le fond de ma cour. Un big fun, j'm'en vais me coucher. Car l'aimerais pas ça. Maintenant plus tard que le fait, j'ai quitté le sommeil. Mais c'est pas par exprès, aveuglé par le soleil. Je suis sorti de ma cabane comme un tanière de visage. Sous une goutte de pierre vite, vite, et de sac. J'ai marché tant pis que mal, avant la porte de la barre. Mais le dernier pas, et je t'ai franchi ça. Encore la fin d'un jour, toujours, et sous des coups, bien les lois. Dans une phase où j'en ai trop, j'ai rien fait de loin. Et puis fuck, j'm'en vais me coucher. J'm'en relèverai pas cette année. Dans mes tripes, et j'ai trip, la peur qui depuis toujours m'habite. Depuis trop longtemps en esprit, tant toujours laissé pas. Je suis pas seul en enfer ici sur la terre. Voyez qu'il n'y a pas de temps que va la police qui mène. Je prenais un rendez-vous, au moins une fois par semaine. J'ai la même petite chose que je sois disant le meilleur. J'ai guéri, des hosties, laissez mon tour à cette heure. Un big fuck, j'm'en vais me coucher. J'm'enlèverai pas cette année. J'ai encore découragé. Jam Boulevard live dans les studios de CIKO 88,3 FM à Québec à l'émission Racine. Ouais, c'est toute une entrevue qu'on fait là. C'est la première fois que je fais autant de tunes de suite, je pense. C'est quoi vos projets? Vos projets, là, tiens, mettons, là, cet été, là, cette année, qu'est-ce que vous pensez faire là, avec cette band-là? Les projets qui s'en viennent, pour l'instant, c'est surtout on a attaqué un démo, ben pas un mini-album, on pourrait dire, ouais. Un petit album de Stone qu'on a enregistré nous autres mêmes, qu'on s'autoproduit. On avait un studio dans le temps, le Palace qu'on a perdu, un beau loft. Bon, est-ce que quand est-ce que ça va être disponible, ça là? Hein? Pardon? Le mini-album, est-ce qu'il est disponible? Il sort dans une semaine. Il va se ramasser sur Internet, sur le Bandcamp de Jam Boulevard. C'est bon. Fait que, ça, c'est pas mal notre principal projet qui s'en vient. Sinon, on a des shows un peu partout. Là, on a un la semaine prochaine à Sorel-Tracy. Après ça, on s'en va dans les Laurentides. Mm-hmm. Fait que, mais le plus important, c'était de sortir notre démo, puis on retourne enregistrer un album aussi en juillet, parce qu'on a bien aimé l'expérience studio, puis on va pousser plus loin. Vous allez dans un vrai studio là, professionnel? Là, prochainement, non, c'est jamais professionnel. Le dernier studio qu'on avait, c'était entre 4 Box Spring. En tout cas, ça serait dur à décrire, là, mais c'était bien. Non, mais je m'ennuie pareil de cette place-là. Mais non, c'était notre studio, bien là nous autres. C'est tout là-dedans qu'on a fait... Le démo, pas le démo, mais le mini-album qui s'en vient. Ça a été enregistré entre 4 Bunk Spring dans notre salon. Ouais. Les tunes que vous m'avez envoyées, là, ouais. Antipop, John, tout ça, ouais. Là, ça sonnait bien. Ah! Fait que... C'était l'âme du palace qui était là-dedans. Là. Vive les Bunk Spring. Exactement. C'est bon. Là, avez-vous des liens vers Internet? Le monde qui veut avoir de l'information sur vous autres, là, qu'est-ce qu'ils font? Ben on a surtout les pages, on a la page Facebook sur laquelle on diffuse tout le temps tous les événements qu'on a ou tous les liens qui peuvent sortir qui a rapport à nous autres, par exemple. On a fait une collaboration avec un groupe de rap, on a une vidéo là-dessus sur notre page Facebook. Sinon, pour les chansons,
C'est le Bandcamp. On a mis, il y a deux chansons, comme tu dis, là-dessus, ouais. Antipop et John, qu'on a joué tantôt. Puis le reste de l'album va venir là-dessus sur Bandcamp. Sinon, on a aussi une page Reverb Nation. Ouais. Puis aussi, ouais, c'est ça, une couple de petits sites de même. C'est quoi le groupe de rap? Le groupe de rap, c'est Les Esties. C'est des gars du casse-croûte qui ont fait... On peut voir ça, là? Ouais, on peut voir ça s'appelle La Belle Déchéance, puis c'est les deux groupes. On a vraiment... On s'est laissé aller là-dessus, ça vaut la peine d'aller voir ça. C'est bon. Hey, avez-vous d'autres choses à dire en votre défense? En notre défense, c'est pas pire, l'accusation est tombée hier parce qu'on était à l'inspecteur épingle, mais sinon, au-delà de ça... Non, on a déclaré coupable bien. C'est bon. Déclaré coupable, je joue comme coupable de pénitence, là. Je vais vous demander de jouer une toune. Ah, bon, mais là, si c'est la sentence, c'est le genre de sentence auquel on répond bien aisément.